triste de les voir comme ils sont, de voir qu'ils n'ont pas de parents, qu'ils sont handicapés, qu'ils vivent sans parents. Donc le jardin a été créé depuis 1904 par l'administration coloniale et il porte le nom de jardin botanique depuis 1956. Il a pour mission de préserver la diversité biologique. Il y a aussi l'éducation environnementale. Quand vous venez, malheureusement actuellement on a arrêté les visites guidées à cause de la maladie à coronavirus. Nous avons aussi comme mission de faire l'écotourisme, le tourisme vert, c'est-à-dire le tourisme basé sur la nature. La quatrième mission, qui est la dernière mission, c'est la recherche scientifique. Voilà, nous recevons ici des universités pour faire des études sur certaines plantes qu'on a ici. Nous organisons aujourd'hui la deuxième édition de la journée de découverte, la journée récréative et de découverte des enfants, des agents des eaux et forêts. L'année dernière, nous en avons organisé et les enfants étaient tellement contents que nous avons jugé bon d'organiser une deuxième édition pour que nos enfants puissent s'épanouir, et tant soit peu. L'objectif de la mutuelle des eaux et forêts, c'est de porter assistance aux membres de la mutuelle. Mais au-delà, nous essayons également d'organiser nos enfants, d'organiser des activités récréatives pour l'épanouissement de nos enfants. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous retrouvons ici. Et nous espérons que nos enfants se sont bien amusés parce que nous avons eu à visiter l'orphelinat de Bingerville où ils ont pris conscience qu'il y a des orphelins qui existent dans ce monde. Il y a des enfants qui sont sans parents, qu'il faut apprendre à partager. Donc nous avons fait un don là-bas. Nous sommes retrouvés également à l'espace Amado, je crois que dans le village de Anna. Ils ont également fait une balade lagunaire, ils ont profité de l'air de jeu qu'il y avait sur place, ils se sont bien amusés. Vraiment, ce sont des activités que nous voulons promouvoir chaque année pour l'épanouissement de nos enfants. Les arbres nous permettent de vivre. C'est eux aussi qui font que nous avons la pluie. C'est eux qui empêchent le désert. Donc, si on les coupe, ça va causer beaucoup de conséquences. La famine, l'avancée du désert, la perte des plantes médicinales, etc. J'exhorte mes jeunes frères à éviter la déforestation. Parce que cette nature que nous voyons favorise aussi la pluviométrie de notre pays. Elle aussi, elle garantit une production alimentaire pour toute la population. Donc si nous coupons ces arbres, bon, c'est parce que dans 2 ou 3 ans, nous aurons aussi des produits alimentaires qui peuvent survivre à la nature. Donc c'est pour ça que je vais les adresser ce message pour qu'ils arrêtent ces actes.